Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure qu'on peut regarder la vidéo. C'est avec vous, Denise Exil Pierre-Paul. Moi, je viens avec vous là dans le programme Cuisiner avec Denise, que nous avons longtemps nous pas, et bien nous sommes capables de nous retourner. Nous retourner dans le programme Cuisiner avec Denise. Et merci à chaque monde qui t'est abonné, qui commenté, qui like. Continuez à faire ça. Nous remercions vous et nous demandons de continuer à faire ça. Et nous fait le meilleur de nous-mêmes pour nous capables de faire une recette. Plus rapide parce que nous avons longtemps que nous n'avons pas fait ça. Nous changer quartier, nous changer cuisine, nous changer maître, nous changer métier. Donc, son l'autre bagaille pour y aller. Nous allons présenter un meatloaf. Ça y aurait le langage haïtien, nous t'a dit pain de viande. Nous allons présenter meatloaf. Pour nous présenter meatloaf, là, nous allons montrer où mise en place, nous allons montrer tout ça que nous te mettez pour nous préparer meatloaf là. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas montrer tout des manchots ou qu'on des manchots. Déjà, ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec Denise. Pierre-Paul. Pour nous préparer meatloaf, nous avons une viande moulue. Viande moulue est tout à fait là-dedans là, pratiquement. Mais nous allons expliquer tout ça qui est dans la viande moulue ça, pour nous préparer meatloaf là. Pour nous préparer meatloaf là, nous avons un zoyon, piment douce rouge et vert, meli, ou capable de là, nous avons un. Et nous ajouter vinaigre là-dedans pour le goût. Et nous ajouter ça, c'est épicé, oui. Nous ajouter juste citron là dans le tout, mais citron. Hein? Nous ajouter épices nous que nous avons tout préparé là. Mais épices nous avons tout préparé. Nous mettons épices déjà. Dans épices nous mettons, nous connaissons, nous ajoutons sauce choy ou bien sauce anglaise que nous connaissons. Non, ça, nous les haïtiens, nous ajoutons sauce choy. Nous ajoutons moutarde, que y aurait dans le langage anglais à mustard. Nous ajoutons moutarde. Nous ajoutons. Yon poudre piment nou gen ki bay bon goût et n'ajoute poudre girofle tout nan epis nou on ajoute poudre girofle n'ajoute nan assaisonnat nou on ajoute poudre girofle nou mette ça c'est yon poudre l'ail qui mélangé avec sel avec poivre nou ajoute le tout nan meatloaf nou on lè nou t'a fait mélange yo donc la dedans tout nou ajoute parmesan nan ou bien parmesan nan lang pa nou an. Parmesan nan c'est une sorte de fromage que lié qui en poudre et puis n'ajouter fromage râpé là dans le tout que nous pas gain l'autre fromage là pour nous ta montrer li mais nous ajouter œuf là dans le tout comme étant donné nous gain 4 livres de boulet nous te gain 2 viande 2 œufs pour nous te ajouter là dedans nous ajouter 2 œufs là dans le tout et bon ouais mettre sel et puis nous quoi c'est tout n'ajouter on nous mettre lait nous mettre lait là dedans tout mais lait là all mec. Nous ajoutons l'être là dans tout. Et puis, nous avons un spray, ça c'est pour nous spray plateau avant que nous mettions meatloaf là sous plateau, avant que nous mettions dans le four. Et puis, qui ça encore? C'est tout. Si vous avez l'autre bagage, nous avons dit nous. Donc, qui ça nous va faire? Nous avons mis un grand menu pour nous capables de préparer meatloaf là ou bien pain de viande là. Pour nous préparer meatloaf là ou bien pain de viande là. Nous mettons grand en main nous. Et puis, nous prenons la toile que nous flopons avec, nous couvrons avec papier aluminium. Nous sprayons. Nous sprayons. C'est dans la place où tu as ajouté ben oui, nous les haïssons. C'est dans la place où tu as ajouté ben nous comme ça très bientôt. Je vais dire nous ça. Peut-être que nous pas sur place, mais nous plus ou moins j'ai sur place. Ok, dans la place pour nous taper les plateaux, nous sprayons. Donc, nous allons le former. Mais l'offre là, parce que nous mettons tout ça pour nous mettre là. Si matériel ça, nous utilisons pour faire mélange dans mais ou capable de ou connaît tout, ou connaît si matériel ça, nous utilisons pour nous faire mélange dans. Nous croyons que mélange dans bien fait, et puis il bien senti pour nous même là, il bien vous. Et puis il faut me dire que vous avez chauffé là tout pour nous mettre mes l'offre là en bas fou. Nous apprenons avec menou qui gagne grand la donne et puis nous préparons, nous formons meatloaf là. Il faut que je dise tout vient de mouler ça. Les nous finissons épicer, nous finissons faire tout parcours que nous faisons avec lui. Nous mettons le reposer pendant 15 à 20 minutes dans le four pour le capable de prendre forme colle. Ok? Nous mettons le reposer, bon, nous avons préparé meatloaf nous. Il est très délicieux, il est très goût et puis c'est comme si nous allons manger, c'est pain tranché. Pour pas rien non mais on va manger seul ça me capable dire on pas garantir que m'a montre des vidéo recette là jodi a l'aime fait on toujours dit nous moi promettre nous pour montrer nous li dans une autre vidéo
parce que nous appareil nous pour go assez nous pour gagner temps assez tout là nous préparons recette et puis même côté pour nous montrer mais ça devenu parce que tant on tient coûte dans mes nous et appareil nous yo pas trop sophistiqué pour nous dire mettre sous pause pour le temps recette la cuite et puis elle fin cuite pour nous montrer ou même comment que lié. Donc on va supporter nous dans sans ça en attendant que tout bagaille vienne en place yo. Là on vient voir temps là son gros et un gros pain boîte qui est assemblé là oui ça c'est meatloaf là. Allez meatloaf là on va lui en forme rectangle et on fait bali toute forme ni avec grand en main ou on fait tout travail là bat pour pas quitter rien parce que nous pas grand et n'a gaspiller n'a faire nous n'a fait tout ça pour nous faire et puis n'a présenter au bientôt. Quel monde qui capable faire li et puis dans un budget yo dit il est en cuite. Mon qu'on a manger le lamin blanc yo me senti en dedans cru dans même. Moi même m'pas d'accord ça nous. Pas d'accord ça nous même les haïtiens nous connaît nous pas manger viande cru nous même et viande cuite nous manger. Nous pas manger viande cru. Donc de ce fait n'a mettez 45 à 1 heure de temps devant nous pour le cuire dans four 350 degrés. 350 degrés, 45 à 1 heure de temps. Donc, pour capable là, nous mettons un meatloaf nous en bien belle là. L'igon dernier bagaille que nous allons ajouter sous l'île, pour tirer grand pour nous faire ça, nous allons utiliser soit un pinceau ou bien une cuillère. Ça, je ne soumets et lui m'apprend. Mais je vais te croire que le pinceau a fait le plus bien parce que la fait le temps pour un petit well. 4 glacier. Ça y est, c'est ketchup là ou bien sauce tomate là, nous allons ajouter. Ça, c'est le dernier ingrédient n'a pas ajouté dans le meatloaf là. Mais ni sauce tomate là. Gen, blanc ou noir, ou noir, à suivre sur YouTube pour voir nous faire le mettre si au miel ou là-dedans. Donc nous-mêmes, nous connaissons, nous gagnons des bagages. Nous ne pas sortir les goûts dans la bouche pour nous faire. Donc nous-mêmes, nous ajoutons dans la sauce tomate, nous avons dit. Moutarde ou bien mustard. Nous ajoutons li sauce tomate noir et puis nous faisons mélange non et puis nous après glacier meatloaf noir. Nous faisons mélange non et puis nous mettons li sous tête meatloaf noir. Belle et bien. Mais ni où est ça m'a fait. Nous dorons li avec sauce tomate là. Ça c'est meatloaf ou bien pain de viande. Nous préparer pour vous, pas oublier ou dans programme cuisiner avec Denise. C'est un programme soyez dans le sala ou à regarder meatloaf que nous a préparé pour vous et n'a promet tout dans l'autre recette n'a montré ou mais comment meatloaf nous ont sorti les nous te fin faire li li vraiment senti bon li délicieux mais malheureusement m'pa ka bon goûter mais ou même sou fait n'a se t'envoyé bon goûter. Ouais, bon goûter même c'est dans photo parce que pas oublier dans recette avant nous te dit moun pas seulement manger avec bouche ou manger avec les yeux ou manger avec le nez et finalement ou manger avec les bouches à savoir sentir seulement garder seulement présentation seulement li dou quelque chose ça c'est manger avec les yeux présentation hein? Façon ba la présenter sous table li dou li bon. Et puis quand y a là, l'on avance, sent li encore di ou li bon et puis finalement ou pour aller essayer. Vous comprenez? Ou pour aller essayer après. Donc, on croit que nous fini avec meatloaf nous là, il était seulement pour nous entrer dans four pour nous enfourner li et four a été chauffé là à 350 degrés là. Par contre, si vous voyez ça, moi j'ai genre écarté moins de écran four pour capable voir que four a été temps. Nous avons fait préchauffage là pour aller chauffer à 350 degrés et même mettre l'œuf là pour nous aller entrer dans le four. Meni, ma présente au lit. Puis prêt, même mettre l'œuf là. Meni, on est capable de boire ça, même mettre l'œuf là. Même mettre l'œuf là. Pendant ma présente nous là, mon petit côté qui manque de sauce tomate, je vais ajouter un petit bagage parce que nous avons il est prêt dans le plateau là, n'a pas ajouté lui. Et heureusement, je devine prêt avec vous, avec lui, pour me capable présenter au lui. Tout est bon petit côté qui manquait, n'a pas ajouté côté qui manquait. Ok, mes amis? On est dans le sas, on a programme cuisiner avec Denise. Cuisiner avec Denise, voilà.
Voilà, mes meatloaf là, mes fours là qui déjà chauffé, ma ouverte et puis ma rentrée, meatloaf moi dans four. Et voilà, moi fermé. Et puis, la fin fermé li, vous dit débarrassement, vous comprenez? Vous dit débarrasser parce que bagayo yo gen place yo, nous débarrasser yo, nous songer. Nous te qu'on a fait déjà ensemble avec vous. Te manque place mais nous ou te supporter nous. Kounya là pendant ou gagne place là là. Ou appelle nous dit bon Dieu merci tout, pas vrai? Ou appelle nous dit bon Dieu merci tout meni. Nous jeune côté nous mettez toute bagaille jeune place yo meni. Ou ka wè ça, toute bagaille jeune place yo. Nous pas nous tourner de mettre sel parce que poivre la gagne sel et puis ça sonne nous gagne sel etc. Donc meli toute bagaille jeune place yo. Ouais ça, qu'on y a là, ça a eu même eu parlé dans le réfrigérateur. Et vinaigre a parlé en bas, et puis a parlé dans le réfrigérateur. Donc, nous comptons vous avec vous dans le ça. C'est Denise Exil Pierre-Paul qui était avec vous dans le programme Cuisiner avec Denise. Merci, et nous disons, continuez à garder nous, et à la prochaine pour une autre vidéo. Songez que nous aimons en pile, et nous disons, qu'aimé sourire. Et un seul bagage nous était pour nous dire bon appétit, bonne santé, à la prochaine. Bye bye.